Salut à tous, on va découvrir un nouveau jeu indépendant aujourd'hui. Il s'agit de Rekt sur Nintendo Switch. Je ne sais absolument pas ce que c'est. Merci à Cubic Games de m'avoir envoyé un code pour que je puisse vous présenter ce jeu. Bienvenue sur Rekt. Poussez stick droit vers la gauche ou la droite pour réaliser un spin. Ok. B appuyé pour arrêter les spins. D'accord. Un flip. Génial, allons-y. La bonne nazique là. Ah, pour l'instant, on n'a qu'une voiture. Ah, on voit que c'est un jeu mobile. La vache. Alors, qu'est-ce qu'on a là-haut? Ok, c'est toutes les voitures. Oh, il y en a beaucoup! Ah, la vache! Il y a vraiment beaucoup de véhicules. Bon, on va aller là-dedans. Démarrer mode score élevé. Rekt. Alors, c'est un jeu qui coûte, je crois, 4 euros. Sur l'e-shop de la Switch. Ah d'accord, ça avance tout seul. Ok, donc j'ai juste à tourner. Oula. Okay, faites une vrille. Faut faire une vrille et on est bon. Alors ça accélère tout seul, hein, je le répète. C'est ça une vrille? Oh, magnifique! Oh, ce talent incroyable! Wouh! Atterrissage parfait. On va pas récolter de timer parce que j'ai déjà remporté tous les défis. Ranked! Oh là là! Oh, ce talon d'ours! Incroyable! Alors je comprends le prix en jouant au jeu. Hein. Évidemment, c'est pas un jeu qu'on peut payer très cher, ça. Attendez, j'ai baissé un peu le son. Ah là, ça devrait être bien mieux. On est mort. Ok, terminé. On va tout collecter. Voilà, ce talent, world record. 10 drifts de 10 mètres, un salto. Et stabiliser la voiture. Oh là là. Hop, on fait le salto, on l'a raté. On n'a pas pris assez de vitesse. On va attendre de prendre de la vitesse pour faire le dérapage. Parfait. Ensuite, un salto. Ah d'accord, donc il y a un système de combo également. Oh, pas mal. Oups. Ah non. Oh, c'est bon. Ah, par contre, c'est trop simple. Il n'y a pas moyen de quitter du coup. Ah, il faut attendre le temps quand on a réussi tous les objectifs. Ah, c'est un peu naze, ça. Là, c'est un peu décevant, du coup. Parce que là, on va perdre 40 secondes. Ah, l'atterrissage... Ou Rekt, vraiment pas Rekt, là. On était bon. Ah, j'espère que ça va vous faire marrer, hein, ce petit jeu indé. Je vais tenter le looping. Il y a un looping derrière, on l'a vu. Là. Ouh! Incroyable. Non, on prend pas le boost. Enfin, le timer. Je reviendrai.
sortir. On a une nouvelle voiture. Ah bah, il a l'air pas mal le van. On va le prendre. C'est que ça le jeu? Ouais, ça va être que ça. Ouais. Heureusement que ça coûte pas très cher, honnêtement. Alors, je sais pas si les développeurs seront contents que je dise ça, bon, c'est pas très grave. Je vais dire ce que je pense, mais... Alors, c'est quoi le boost? Boost, ok. Alors, on va utiliser et diriger votre voiture. Et voilà, on a 40 secondes à perdre. On va essayer de faire des combos. C'est quoi ces machins? Passer boîte. Ah, ok, on peut les casser? Ça donne des points, apparemment. On va perdre le chrono, enfin le combo. Wouh! Ah non! N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Oh, l'atterrissage était pas mal, là. Là, il y a des boîtes. Ouh. Ouh. Non, wrecked. On est bidon. Un saut de 50 mètres. En vol, poussez stick droite vers la gauche pour voler à gauche. Faites deux tours avant d'atterrir. Oh, il y a des points de contrôle. Où vois-tu des points de contrôle? Ah oui, d'accord. D'accord, je les vois. Passer porte. Ok. Ah là, c'est intéressant. Alors, je sais pas s'il faut prendre le looping. Ah ouais, non, mais... C'est un délire. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des flèches. Ah d'accord, ça me montre les portes, c'est ça? Oh la vache! En fait, ce dans quoi je passais, c'était absolument pas les portes, hein. Donc un saut long et un spin à gauche 2x2. 1, 2. Oh, j'ai tout eu. Oh. On a tout eu d'un coup. Magnifique. Alors, vrille à droite, déraper sur 25 mètres. Un dérapage pour réinitialiser le chrono du combo. D'accord. On va pas faire une vidéo trop longue sur le jeu, hein. Alors, spin à droite, on va prendre de la vitesse. Et maintenant, il faut que je fasse un dérapage long. Mince. Ah, j'aurais pu l'avoir. Ah, d'accord, mais il suffit de faire ça. Ouais. C'est quand même pas folichon. Par contre, ce qui peut être fun, c'est qu'il y a du multi local. Donc ça, c'est pas mal. Oh là, ce deux roues. Incroyable. Donc là, j'ai mis le boost et ça n'a absolument rien fait. Oh! Ah non! J'aurais pu avoir des points. Caporal! Pas dire que je suis en admiration sur le jeu. Enfin, je vous le montre, je vous le présente. Ça coûte pas cher, si ça peut vous tenter. N'hésitez pas, mais j'ai l'impression que le jeu, c'est que ça. Hein. Y a rien d'autre. Seulement des petits défis à faire dans ces arènes. Donc c'est quand même pas très très glorieux, je trouve, et débloquer tous les véhicules et tout. On va s'arrêter là. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo, et à la prochaine.